Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vais vous montrer comment créer un robot géant. C'est un projet idéal à faire en groupe, que ce soit à l'école ou dans un camp d'été. En plus d'être amusant, ce projet permet d'aborder des notions de géométrie. Pour le robot géant, vous aurez essentiellement besoin de grands tubes de différentes tailles, des boîtes en carton et toutes sortes d'objets recyclés. Choisissez une grande boîte pour le corps du robot et une plus petite pour la tête. Choisissez deux gros tubes pour les jambes et deux plus minces pour les bras. Assurez-vous que les deux jambes aient la même longueur et de même pour les bras. Commencez par boucher les extrémités des bras avec du carton 14 plis. Tracez les cercles du diamètre des tubes sur le carton épais, découpez-les et collez les cercles en place aux deux extrémités de chaque tube. Vous pouvez également boucher l'extrémité supérieure de chaque jambe pour donner une plus grande zone de contact au moment de coller les jambes au corps. Peignez les tubes et les boîtes en blanc. La peinture blanche va donner une bonne couche de base pour cacher le brun du carton. Ensuite, peignez les différentes parties du corps de votre robot dans les couleurs de votre choix. J'ai choisi de peindre le corps de mon robot en mauve, les jambes en orange, les bras et la tête dans la couleur vert pomme. Pour donner une texture intéressante aux bras et aux jambes, j'ai tapoté tout autour des tubes avec une éponge marine et de la peinture mauve. Si vous voulez que la tête puisse tourner, faites un trou au centre de chaque boîte et passez une attache parisienne à travers les deux trous. Renforcez le carton à l'endroit des trous avec du carton 14 plis si nécessaire. Ensuite, fermez les boîtes qui forment la tête et le corps du robot. Quand toutes les parties du robot sont prêtes, vous pouvez les coller ensemble. Maintenant, c'est l'étape des détails. Commençons par les pieds du robot. J'ai conçu l'avant d'une chaussure qui s'adapte au bas des jambes. Quand on attache l'avant des chaussures au robot, ça donne l'illusion que le robot a des chaussures complètes. Il faut que la courbe qui se connecte au tube forme un contact complet. J'ai utilisé du carton mousse pour cette partie de la chaussure. Ce matériel est aussi connu sous le nom de foam board. Vous pouvez utiliser le patron qui se trouve dans le document d'appui, mais vous devrez sans doute l'adapter aux dimensions de vos tubes. Découpez 4 épaisseurs de l'avant des chaussures dans du carton mousse ou dans du carton épais. Ensuite, découpez une longue bande de papier Bristol de 10 cm de largeur. Crantez chaque côté de la bande sur une largeur de 1,5 cm et pliez les bandes crantées. Collez une des bandes crantées sur l'avant de la chaussure. Pour maintenir la bande en place, utilisez des épingles et laissez sécher. Quand la colle est sèche, enlevez les épingles. Ensuite, découpez l'excédent de la bande de papier Bristol. Maintenant, collez le dessus de la chaussure sur l'autre bande crantée. Dans ce cas-ci, vous n'aurez pas besoin d'épingle car la bande a déjà la bonne forme. Procédez de la même façon pour l'autre chaussure. J'ai créé le patron de façon symétrique et il n'y a donc pas de différence entre le pied gauche et le pied droit. Peignez les chaussures dans une couleur de votre choix et ensuite collez-les à chaque jambe du robot. Pour cacher la jointure entre la chaussure et la jambe du robot, j'ai utilisé du carton ondulé orange. Découpez une longue bande de la même hauteur que la chaussure dans du carton ondulé et ensuite collez-la en place tout autour de la chaussure et de la jambe. Pour décorer la tête de votre robot, utilisez des bouchons et autres matériels recyclés. Personnellement, j'ai fait la base des antennes avec des têtes d'extincteurs automatiques dans lesquelles j'ai planté des cures pipes argentées. Sur le dessus des cure-pipes, j'ai mis des boules en styromousse. À cause du poids des boules, les antennes sont courbées et le moindre mouvement du robot les fait bouger. Les oreilles sont représentées par des morceaux de tuyaux de plomberie en plastique. J'ai utilisé les mêmes tubes pour les yeux, mais je les ai connectés par une attache qui tenait deux bouteilles de jus ensemble. Je trouvais que ça donnait un effet intéressant. Pour le nez, j'ai utilisé un couvercle et pour la bouche, c'est simplement du papier de couleur avec des lignes. Pour décorer le torse du robot, j'ai utilisé un morceau de papier Bristol argenté que j'ai garni de toutes sortes de bouchons. J'ai également recyclé un CD que j'ai surmonté d'un bouchon. Pour les mains du robot, d'un côté j'ai mis une bouteille de savon à main
et de l'autre, j'ai collé la partie vaporisateur d'une bouteille de produits de nettoyage. Comme vous le voyez, vous pouvez recycler bien des choses pour rendre votre robot original et intéressant. Pour accéder au document d'appui avec la liste du matériel, les explications étape par étape et le patron, cliquez sur le lien sous la vidéo.